content que vous soyez là, Ethan. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre de ces événements? À mon binôme. Et ça vous aide de parler avec lui? Elle? Oui, elle est très à l'écoute. Bien. Et votre femme? Est-ce que vous en parlez avec elle? J'aimerais le faire, mais ce sont des informations classées secret défense. Donc la personne dont vous êtes censé être le plus proche ne sait pas ce que vous traversez. Ethan, si quelqu'un est responsable des attentats de Pâques, c'est la personne qui a signé la remise en liberté, pas vous. Vous n'aviez pas le choix. Vous ne faisiez qu'obéir aux ordres. Mais je le surveillais. Je savais qu'il était louche et je l'ai laissé partir. Le responsable, c'est moi. Avez-vous été victime de nouvelles hallucinations? Non. J'ai peut-être fait quelques cauchemars de temps en temps. Mais rien à voir avec ce que j'ai pu traverser avant. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous entendez par hallucination? Le fait de voir des choses ou des personnes qui ne sont pas vraiment là. Vous sentez bien? Où est-ce qu'on est? À Wayward Pines, dans l'Idaho. Dans l'Idaho. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Monsieur Burke. Monsieur Burke. Je peux vous donner quelque chose de plus fort contre la douleur. Non, ça va. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous soulager, n'hésitez pas surtout. Merci. Le docteur Carroll va bientôt venir vous voir. Vous permettez que je prenne votre attention? Je vous en prie. Vous souffrez d'une commotion cérébrale et... vous avez quelques côtes fêlées, mais... ça aurait pu être bien pire. C'était vraiment un terrible accident de voiture. Ta femme sait qu'un des agents que tu dois retrouver est Kate Hewson? Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? De toute façon, c'est secret défense. C'est quand même un peu bizarre, non? Que Hassler t'ait choisi toi pour cette mission. Ce qui a pu se passer entre Kate et moi, c'est terminé, ok? N'oublie pas que je bossais avec elle. C'était ma coéquipière. Tu veux vraiment me faire croire que si jamais tu l'as... C'est tip-top, bravo. Au fait, je suis Pam, votre infirmière. Et vous, vous êtes? Ethan Burke. Excellent. Ça fait plaisir de voir que vous retrouvez la mémoire. Vous déliriez lorsqu'on vous a admis. Vous ne saviez même plus qui vous étiez. Et qu'est devenu l'agent Stallings? Qui? Stallings. L'agent qui était avec moi dans la voiture. Il n'a pas survécu, j'en ai bien peur. Non. C'était un ami à vous? Il faut que j'appelle ma femme. Oh, le bureau du shérif a sûrement pris soin de prévenir vos proches après votre accident. Où sont mon téléphone et toutes mes affaires? Nous n'avons rien à vous ici. Mais je pourrais enfiler mon costume d'apprenti détective et aller enquêter pour vous. Je suis sûre qu'elles sont dans le bureau du shérif. Vous voyez ce petit bouton noir? Oui. Je ne suis qu'à un clic si vous avez besoin. Je veux que ce qui reste de la voiture soit transféré ici. Notre service va reprendre l'enquête. Ils ont attendu 36 heures pour nous prévenir? Le corps était tellement calciné qu'ils ont mis 2 jours pour identifier Stallings. Mais pourquoi on a retrouvé que lui et pas l'agent Burke? Peut-être qu'Ethan n'était pas dans la voiture. Il a écrit un mail de Loman à 13h21 depuis une station. Il y a 30 km qui séparent Loman et le lieu de l'accident. Alors on peut tout imaginer. C'est bon, il a calme-toi. Pu se passer un tas de trucs entre les deux, sans compter la possibilité qu'Ethan Burke soit entièrement calciné et qu'il n'en reste plus rien. Je préviens les familles. Non, je préviens les familles.
Salut chérie, c'est moi. On se balade sur les quais aujourd'hui, alors je pensais à toi. Chaque fois que j'appelle, je tombe directement sur ton répondeur. J'espère que ça va. Je suis peut-être seulement parano, mais essaie de nous rappeler dès que tu peux. Je t'aime. Bye. Tacos au poisson. Cool. Tu sais quel poisson on trouve dans un asile psychiatrique? Non, lequel? Le requin marteau. Ouais, trop drôle. C'était qui au téléphone? T'es vraiment un petit curieux. C'était papa? Je l'ai pas eu, je lui ai laissé un message sur son répondeur. Et tout va bien? Ouais. Ouais. Maman, je vois quand tu mens. Tout le monde a un tic révélateur. Oh! On croirait entendre ton père. Un tic révélateur, sérieux? Bon, et c'est quoi mon tic? Tu fais une pause et tu regardes à droite. Eh bien, t'as pas besoin de tout le temps tout savoir, Ben. On se prend une petite photo? Pour ton père? Si tu veux. Allô? Ici Adam Asler. Adam, salut. Tout va bien? J'ai essayé... Teresa, il y a eu un accident. Hé, regardez qui est réveillé, en pleine forme. Ça fait des heures que j'attends. Où est le médecin? Le docteur Carroll est retenu depuis 8 heures sur une de ces opérations d'urgence qui n'en finissent plus. Mais je lui ai transmis vos constantes et il a dit que votre état est super encourageant. C'est quoi, cet hôpital où il n'y a personne? Où sont les autres employés? Ils sont occupés. Bon, mais... et où sont mes affaires, alors? J'y travaille, capitaine. J'avais une mallette. Oui, j'y travaille, capitaine. Travaillez plutôt à me trouver un téléphone. N'importe lequel, je m'en fous. J'aimerais vous aider, mais il n'y a pas de prise téléphonique dans les chambres. Vous ne voudriez pas que ça sonne et que ça papote pendant que nos patients essaient de guérir et de se reposer. Non, bien sûr. Je reviens dans une heure vous apporter votre dîner. Haricots verts, jus de viande. Savoir ce que vous faites. Je me casse. Je ne peux pas vous laisser partir, Monsieur Burke. Votre état ne vous le permet pas. Ouais, c'est sympa de vous inquiéter, mais ça ira. Monsieur Burke, vous êtes en train de divaguer. Poussez votre pied. Poussez votre pied. Je m'inquiète vraiment pour vous. Tu peux me dire la vérité. C'était Adam Asler. Ton père a peut-être eu un accident de voiture. Et attends, est-ce qu'il va bien? Maman. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. D'accord? On l'a pas retrouvé sur les lieux de l'accident. Okay. Il était sûrement parti chercher de l'aide quelque part. Et je suis sûre qu'ils vont bientôt le retrouver. Ça va aller, regarde-moi, je suis pas inquiète, je sais qu'il n'a rien. La cuisine ferme dans 10 minutes. Oh la vache! Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un accident de voiture. Vous devriez pas être à l'hôpital? J'y suis déjà passé. Je peux téléphoner? Ah, bien sûr, pas de problème. Merci. Voilà, tenez. Vous voulez manger quelque chose? On va bientôt fermer la cuisine, alors... Oui, un cheeseburger, ce serait parfait. Par contre, j'ai perdu mon portefeuille. On m'a dit que mes affaires étaient chez le shérif, alors j'ai voulu aller les chercher. Mais son bureau était fermé. Comment vous aimez votre burger? Bleu, sans oignon. C'est noté. Merci. Vous êtes la première personne normale que je rencontre dans ce bled. Dès que je retrouve mon portefeuille, je vous promets de revenir et de... Et de me laisser un super pourboire, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui vous amène à Wayward, dites-moi?
Le travail. Dans quoi vous bossez? Je bosse pour le Secret Service. Le Secret Service? Pourquoi le président est ici? Les agents spéciaux comme vous sont payés pour le protéger, non? On s'occupe aussi d'autres choses, vous savez. Eh ben moi, je vais m'occuper de votre dîner. C'est très gentil à vous. Comment vous vous appelez? Beverly. Ethan, enchanté. Vous êtes bien chez la famille Burke. Désolée d'avoir loupé votre appel, sauf si vous vouliez nous vendre quelque chose. Auquel cas, on est ravis de pas être là. Mais sinon, laissez-nous un message. Teresa, c'est moi. Bon, j'imagine qu'on t'a déjà prévenu que j'avais eu un accident, mais tout va très bien. En revanche, je sais pas pourquoi, mais personne ne sait où sont mon téléphone et mon portefeuille. Je suis à Wayward Pines, dans l'Idaho. Essaie de me rappeler au Wayward Pines Hotel. Je t'aime. Bye. C'était du rapide. Vous l'avez demandé bleu, non? Alors, monsieur l'agent secret, qu'est-ce que vous faites chez nous exactement? Je peux peut-être vous aider? Je suis venu enquêter sur des disparitions. Qui a disparu? Deux de nos agents. Disparu ici? Vous avez vu de nouveaux visages dans le coin au cours des derniers mois? Non, aucun. Sauf le vôtre. Les noms de Kate Hewson et Bill Evans évoquent quelque chose pour vous? Non, désolé, ça me dit rien. Pourquoi, vous croyez qu'il leur est arrivé un truc moche? J'en sais rien. Ben, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Et voilà pour vous. C'est quoi, ça? Vous avez pas de téléphone, pas de pièce d'identité, pas d'argent et vous ne connaissez personne. C'est mon adresse. Ah. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à passer. Ça veut dire que vous me croyez? Je vous crois depuis le début. Bonjour. On doit libérer les chambres à 11h. Oh, apparemment, je me suis pas réveillé. Désolé. Vous aviez promis de payer à la première heure. Les téléphones refonctionnent. Pourquoi ils ne fonctionneraient pas? Je sais pas. Il y avait aucune tonalité hier soir et j'attends des appels importants. Ah, personne n'a cherché à vous joindre? Vous êtes sûr? C'est bizarre, mais j'ai du mal à le croire. Oh oui, j'en suis sûr. Il n'y a que moi à la réception depuis votre arrivée. De qui attendiez-vous un appel? Ça, je crois que c'est pas vos oignons. Je vois. Peut-être qu'ils ne veulent pas vous parler. Vous avez retrouvé votre argent? Non. Vous auriez de l'aspirine? Non. Je vais devoir vous demander de libérer la chambre. Me demander de faire quoi? D'évacuer les lieux. Sur le champ. Laissez-moi une minute. Attendez! Je vais me préparer à évacuer. Beverly?
Agent spécial Ethan Burke. Je voudrais voir le shérif. Salut, Arnie. Il y a un homme ici qui demande à vous voir. Il dit être agent secret ou je sais pas. Agent spécial. Je sais pas. Il est tout ébraillé. D'accord. Entendu. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Dernier bureau sur votre droite. Agent Burke, du Secret Service. Arnold Pope. Je suis le shérif. Sacré accident que vous avez eu l'autre jour, mon vieux. Comment vous vous sentez? Beaucoup mieux. En tout cas, beaucoup mieux que le mec que je viens de retrouver en train de se décomposer à 6 blocs d'ici. Précisez-le. Je viens de retrouver. Hier soir, une serveuse m'a filé une adresse. C'était pas la peine qu'elle me donne son numéro de téléphone, puisque j'ai plus mon téléphone. Il paraît que c'est vous qui l'avez. Pourquoi est-ce que j'aurais votre téléphone? On m'a dit que vous aviez récupéré mes affaires. Et qui vous a raconté ça? L'infirmière qui me soignait à l'hôpital. Je me demande bien où est-ce qu'elle est allée pêcher cette idée. Rhum raisin. Vous aimez le rhum raisin? J'ai besoin de passer des coups de fil. Je peux prendre votre téléphone? Bien sûr. Dès que vous aurez fini votre histoire à propos de ce fameux corps en décomposition. Eh ben, je me suis rendu à l'adresse que m'avait donnée la fille au bar. Et c'est là que j'ai trouvé le corps de l'agent Evans. Torturé. Et mutilé. De toute évidence, il pourrit là depuis un moment. L'agent Evans. On m'a envoyé ici pour retrouver deux de nos agents, sauf que maintenant, j'en ai plus qu'un à retrouver. Comment s'appelle l'autre agent qui a disparu? Elle s'appelle Kate Hewson. Vous pouvez me la décrire? C'est une femme de 27 ans. Les cheveux roux, les yeux noisettes. Séduisante. C'est ce que tout le monde dit. On fera passer le mot. Bon, alors, si vous le permettez, j'aimerais passer mes coups de fil, maintenant. Bien sûr. Mais c'était quoi l'adresse où il y avait votre agent mort? Au 604 de la première avenue. Je vais vous y emmener. Ce sera pas nécessaire. Si, j'y tiens. Vous peut-être, mais moi non.